Immortalisé par de nombreux cinéastes, Central Park est le plus célèbre des parcs new-yorkais, mais aussi le plus visité des États-Unis. Achevé en 1873, après 13 années de construction, il est l'œuvre des paysagistes Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux qui firent planter plus de 500 000 arbres sur 340 hectares. C'est un véritable poumon vert au milieu d'une forêt de gratte-ciel, tous plus hauts les uns que les autres. Central Park contient de nombreuses sculptures, dont notamment celle d'Alice au Pays des Merveilles ou du conteur Andersen, mais aussi plusieurs lacs artificiels, comme le Conservatory Water, qui est un haut lieu du modélisme aquatique. L'artiste ayant été bercé par tous ses contes pendant son enfance, et Central Park étant son endroit préféré à New York, c'est tout naturellement qu'il en a fait le décor de son œuvre Heritage of Time Past, qui a été exposée en 2008 à la Galerie Élysée, située non loin de ce fameux parc. Il s'agit d'une œuvre plus ancienne car l'artiste ne se représente pas encore avec sa femme et seuls ses deux chiens, Grisby et Robin, sont présents. On aperçoit dans le ciel des oiseaux qui ne sont autres que des aigles et leur nid se situe au dernier étage du bâtiment gris. L'artiste a voulu faire référence à une polémique qui a eu lieu sur l'existence d'une pétition en vue de la suppression du nid de ces aigles présents sur un balcon à proximité de Central Park. On y voit surtout un homme qui transmet à son fils sa passion pour le bateau téléguidé qu'il a lui-même sans doute reçu de son propre père. L'enfant qui tient le bateau semble fier d'avoir obtenu la confiance de son papa et semble même poser pour l'artiste comme pour figer le moment dans le temps. C'est comme un passage de relais, la transmission solennelle d'un savoir-faire, d'un héritage, ce qui est d'ailleurs plus marqué dans la culture américaine qu'européenne. Le couple assis sur le bord du bassin est quasiment transparent. Un homme est en train de séduire la femme présente à ses côtés, laquelle semble d'ailleurs particulièrement intimidée en raison tant de sa posture que du rougissement de ses joues. Dans cette œuvre, Alain Godon a voulu exprimer le passage du temps, la transmission d'un savoir-faire d'une génération à l'autre et inéluctablement l'effacement d'une génération au profit d'une autre. Malgré la fermeture des musées, le Louvre propose une visite virtuelle de l'exposition de la Petite Galerie intitulée « Figures d'artistes », l'occasion d'admirer depuis chez vous les autoportraits de Rembrandt ou de Lacroix. À bientôt pour la découverte d'une nouvelle œuvre de l'artiste.